Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Les joyaux de la couronne de la monarchie britannique du Royaume-Uni et d'Irlande du Nord sont aujourd'hui conservés dans la tour de Londres et datent principalement du XVIIe siècle. Ces insignes royaux comprennent cependant plusieurs articles médiévaux et beaucoup de pierres précieuses ont une histoire beaucoup plus ancienne. Les rois se sont octroyés des couronnes depuis l'Antiquité. Mais en Angleterre, c'est vraiment Guillaume le Conquérant en 1066 qui lance les somptueuses démonstrations, surtout lors de la cérémonie de couronnement à l'abbaye de Westminster. Tradition suivie par presque tous les monarques depuis. Les joyaux de la couronne comprennent des objets inhabituels, en plus des couronnes traditionnelles, des sceptres et des orbes. On retrouve également des cuillères, des épées, des éperons et des salières. Les joyaux de la couronne sont exposés en permanence au public, mais ils apparaissent parfois dans des plus nobles contextes, comme la cérémonie d'ouverture du Parlement et les banquets d'État. Vous voulez encore connaître plus sur les joyaux de la couronne? Venez avec moi! Les manuscrits médiévaux regorgent de scènes de couronnement où les archevêques placent des couronnes sur la tête du souverain. Mais la première description détaillée d'un couronnement date de 973, avec le roi anglo-saxon Edgar. Auparavant, les rois anglais préféraient peut-être un casque orné plutôt qu'une couronne. Guillaume le Conquérant commence la tradition d'organiser le couronnement à l'abbaye de Westminster. Il y fut couronné lui-même le jour de Noël 1066. Les rois et reines suivants, tous soucieux de maintenir un lien avec l'histoire et de souligner leur légitimité pour ce rôle, répètent de nombreux éléments cérémoniels, qui font encore partie de la cérémonie de couronnement aujourd'hui. Les couronnes et bijoux appartenant à la monarchie étaient traditionnellement conservés à Westminster, à la Tour de Londres, où voyageaient avec le souverain pendant qu'il se déplaçait à travers le royaume. En période de rébellion, les bijoux de la couronne devaient être déplacés vers un lieu plus sûr. Par exemple, le roi Jean sans Terre réussit à perdre certains des joyaux de la couronne dans une rivière alors qu'il fuyait les barons rebelles en octobre 1216, lorsque le roi perd le contrôle de Londres. Par conséquent, le roi suivant, Henri III d'Angleterre, demande de nouveaux insignes. Henri III était un grand admirateur d'Édouard le Confesseur, qui fut plus tard sanctifié, et qui, à bien des égards, était considéré comme le fondateur spirituel de la monarchie telle qu'elle l'était dans la période médiévale, et telle qu'elle l'est aujourd'hui. Henri III construisit un nouveau sanctuaire pour Édouard le Confesseur à l'abbaye de Westminster. Il est probable que les robes, les bijoux et les couronnes saxonnes ou diadèmes en or qu'il utilisait ont tous été incorporés dans les nouveaux insignes du XIIIe siècle. Cet héritage est encore observé aujourd'hui dans l'utilisation du nom de couronne de Saint-Édouard pour toute couronne utilisée lors de la cérémonie du couronnement d'un nouveau souverain, bien qu'il ait aussi une couronne spécifique qui porte ce nom. Malheureusement, la plupart des insignes originaux furent vendus en pièces détachées, fondus ou détruits en 1649, après l'exécution de Charles Ier d'Angleterre et l'abolition temporaire de la monarchie et l'instauration du Commonwealth d'Oliver Cromwell, nommé Lord Protecteur de la Grande-Bretagne. On peut se faire une idée de ce qui fut perdu dans les portraits des rois d'avant 1649, comme avec celui de Charles Ier peint en 1631 et qui montre derrière le roi la couronne impériale, probablement faite pour Henri VII d'Angleterre. La restauration de la monarchie en 1660 nécessite la production de nouveaux insignes, qui seraient immédiatement utilisés lors du couronnement de Charles II en 1661. Même si l'on ne sait pas exactement par quels moyens elles furent trouvées ou de nouveau acquises, de nombreuses pierres précieuses des anciennes insignes ont été incorporées dans les nouveaux joyaux de la couronne du XVIIe siècle. Deux objets qui survivent à partir des insignes de 1649 sont la cuillère de couronnement et l'aigle royal. Ce dernier est utilisé pour stocker de l'huile sainte qui est versée dans la cuillère et utilisée pour oindre le monarque pendant la cérémonie du couronnement. L'onction est faite par l'archevêque qui verse une petite quantité d'huile sur la tête, la poitrine et les paumes du monarque. Les deux objets sont fabriqués en or et le style de l'œuvre décorative de la cuillère suggère qu'elle date du XIIe siècle tandis que l'ampoule a peut-être été fabriquée au XIVe siècle avant d'avoir sa surface extérieure regravée au XVIIe siècle.
La couronne de Saint-Édouard fut réalisée pour le couronnement de Charles II en 1661, en utilisant peut-être des parties d'une des couronnes endommagées par les parlementaires. Elle est en or, elle pèse 2,3 kg, est utilisée lors du couronnement, mais en raison de son poids considérable seulement au moment de couronner réellement le monarque. Elle est habituellement remplacée par une autre couronne plus légère, comme la couronne impériale de l'État. La couronne de Saint-Édouard, comme la plupart des autres de la collection, a un anneau de fourrure d'hermine et une coiffe interne en velours violet, le pourpre étant associé au souverain depuis l'époque romaine. La couronne, comme beaucoup d'autres, a des arcs et au centre un mini orbe ou un monde surmonté d'une croix qui symbolise que Dieu seul est au-dessus du monarque. Curieusement, la couronne a toujours été garnie de joyaux de location. Lorsqu'on en avait besoin pour un couronnement, et ce n'est qu'en 1911 qu'elle reçoit des joyaux permanents. Également connue sous le nom de couronne d'État, la couronne impériale a été créée pour le couronnement de la reine Victoria en 1838, comme alternative plus légère à la couronne de Saint-Édouard durant la deuxième partie de la cérémonie de couronnement. Elle a également été utilisée par son fils Édouard VII. L'armature de la couronne fut ensuite remodelée avant qu'elle soit utilisée par George VI lors de son couronnement en 1937 et par sa fille et successeur Élisabeth II lors de son couronnement en 1953. Cette couronne est également portée, ou du moins présentée, lors de cérémonies officielles telles que la cérémonie d'ouverture du Parlement. Fabriquée en or et décorée avec des motifs de feuilles de chêne, c'est peut-être la plus spectaculaire de toutes les couronnes. Et certainement la plus colorée avec de nombreuses pierres précieuses provenant des couronnes antérieures. Pesant un peu plus d'un kilo, elle contient plus de 2800 diamants, 17 saphirs, 11 émeraudes, 4 rubis et 269 perles. Parmi ceux-ci figure le rubis du prince noir. Au centre, en dessous, le diamant Coolingham de 317 carats, la petite étoile d'Afrique, ainsi que le saphir Stuart ovale de 104 carats à l'arrière, et le saphir d'Édouard le Confesseur sur la croix au-dessus. Le saphir d'Édouard le Confesseur, une pierre octogonale taillée en rose, aurait été prélevé de l'anneau d'Édouard le Confesseur, ce qui en fait le plus ancien objet de tous les bijoux de la couronne. Le roi donne l'anneau à un mendiant, mais il lui fut rendu par deux pèlerins. Ces pèlerins avaient miraculeusement rencontré Saint Jean l'Évangéliste en Syrie, qui avait expliqué qu'il s'était déguisé en mendiant. Les quatre longues perles suspendues à l'épi de faîtage de la couronne, là où les arcs se rencontrent, sont traditionnellement attribuées à la reine Élisabeth Ière. Mais il n'y a aucune preuve documentaire de cette association. Le rubis du prince noir, de forme irrégulière, fut donné à Édouard de Woodstock, fils aîné d'Édouard III, roi d'Angleterre, par Pedro Ier, roi de Castille, en 1367, en reconnaissance des compétences militaires du prince noir. La pierre fut ensuite placée dans une couronne célèbre pour avoir été portée par Henri V d'Angleterre lors de la bataille d'Azincourt en 1415 et fut longtemps considérée comme un véritable rubis. Les joyaux de la couronne britannique sont les attributs du pouvoir royal et les costumes de cérémonie portés par les souverains du Royaume-Uni lors du couronnement ou lors de cérémonies officielles. Les joyaux de la couronne se composent de différents objets, couronne, sceptre, globe, épée, bague, éperon, aube, dalmatique, bracelet, mais aussi la robe de cérémonie du souverain ainsi que d'autres objets en relation avec la cérémonie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.